l'accompagne. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, cassons l'impur, abreuve nos sillons. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La Seconde Guerre mondiale prenait fin sur le front européen, se soldant par une victoire des forces alliées, mais surtout marquait la fin d'une catastrophe humaine sans précédent. Ce conflit fut le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, avec 60 millions de morts, civils pour la plupart, dont 541 000 victimes françaises. Tant de vies perdues, de familles décimées, de destins inachevés. 6 années de guerre, synonymes de ruines, de désastres, de villes détruites, de souffrances, d'humiliations. 6 années d'atrocités, marquées par la déportation et l'extermination de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, parce qu'ils étaient juifs, tziganes, slaves, homosexuels ou opposants politiques. Ce moment de recueillement est l'occasion d'honorer ceux qui ont donné leur vie pour offrir un monde meilleur aux générations suivantes, et de rappeler le sacrifice de ces soldats et de ces civils pour défendre notre liberté. J'ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens, dont le nom est gravé sur les monuments aux morts de Schirmeck et de Wackenbach. Chaque année, nous ouvrons cette page tragique de notre histoire pour ne pas oublier. En souvenir de ces 60 millions de vies arrachées par cette guerre, il est de notre devoir de proclamer notre engagement pour la paix, la démocratie, le respect, la tolérance et de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. Sortez de la faille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohez les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse à misère.